Bonjour, le forum XL est un soucieux de votre bien-être. Je vais essayer de vous expliquer simplement comment vous pouvez éditer des vidéos sur le forum. Alors pour cela, on va se servir de YouTube. En premier, vous allez publier votre vidéo sur YouTube. Vous trouverez sur le site de YouTube les tutos nécessaires à faire l'opération facilement. Il n'y a que le téléchargement qui peut être un peu long en fonction de votre connexion Internet. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien publier votre vidéo en mode public, que tout le monde puisse la voir. Alors, je vais vous l'expliquer pour YouTube. On peut faire le même genre de manip pour Dailymotion. La seule différence, c'est qu'il faudra utiliser l'icône Dailymotion en bleu et jaune ici, se trouve à droite de l'icône YouTube qu'on va utiliser pour mettre la vidéo YouTube. Alors, on va aller sur le site de YouTube pour trouver la vidéo à mettre sur le forum. Là, par exemple, comme exemple, on va prendre la vidéo de MySell. Voilà. On va l'arrêter pour ne pas être gêné par le son. On va aller récupérer le lien. Alors pour ça, vous allez aller dans la case partager ici, marquée par une flèche. Vous cliquez dessus. Et il y a un lien qui apparaît sur un fond bleu. Mettez le curseur de votre souris. Vous faites un clic droit. Et vous copiez ce lien. Ensuite, vous allez dans la fenêtre de votre réponse. Alors là, je vous le montre sur la réponse classique. La même manip peut se faire avec la fenêtre de réponse rapide du forum. Alors, pour insérer le lien, vous allez aller sur l'icône YouTube, vous cliquez dessus, vous mettez votre curseur dans la petite fenêtre URL, vous faites un clic droit sur votre souris, vous faites un coller. Le lien YouTube vient se mettre là. Cliquez sur insérer et le code s'est installé ici. Donc à partir de là, votre vidéo est mise en bas. Faire un petit coup visualiser. Voilà. La vidéo s'est installée. Quand vous avez fait vos commentaires, vous envoyez. C'est édité. On va vérifier que la vidéo fonctionne. Donc voilà, tout marche. On va l'éteindre. Donc c'est à vous de jouer. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. A plus sur le forum.